Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec le site DP Club. C'est le sixième partenariat que je fais avec cette boutique. Le colis m'a été envoyé le 10 mai et je l'ai reçu le 23 mai. C'est très très rapide. Alors cette fois-ci, j'ai choisi quatre articles. On aura deux DP et deux points de croix. On va regarder ça ensemble. On va donc commencer avec un DP. Vous devinez ce que c'est. Et oui, ce sont encore des petits chats. Il est magnifique ce DP. Je l'adore. Avec plein de couleurs. Il est magnifique. Ils sont trop marrants les petits chats. Ils ont des bouilles toutes sympathiques. Voilà. Alors, on a 25 couleurs. Pour une toile de 30 par 40. Au niveau de la colle, ça colle très très bien. Alors, les diamants sont emballés dans des sachets zip. Ça, j'aime bien. Ils sont vraiment très très belles, les couleurs. Magnifiques. Il y a quand même 25 couleurs pour cette toile. Je trouve que c'est pas mal. Ils sont vraiment belles. Hein. Et puis, on a également, comme d'habitude, le kit. Et cette toile, elle est au prix de 5,49 €. On passe à la deuxième toile. C'est encore une toile 30-40. Alors, on a le kit, bien sûr. Et celle-ci, c'est une théière avec deux tasses et des fleurs avec des couleurs très, très pastel. J'aime beaucoup cette toile, les couleurs sont vraiment jolies. Je vous mets les photos. À chaque fois, vous voyez que c'est vraiment très très beau. J'adore. Alors, on a donc les diamants avec de très jolies couleurs. Je ne vais pas vous les déballer parce que ça va faire du bruit. Mais on a du bleu, on a du mauve, de l'écru, enfin de très très belles couleurs, du vieux rose, du bordeaux, mais très très poudré. C'est vraiment très très joli. Comme couleur, j'aime beaucoup ce style de DP tout tendre. Alors, on a 22 couleurs. Ça doit coller très bien comme l'autre, hein, il n'y a pas de raison. Mais je n'ai jamais, jusque maintenant, j'ai jamais reçu de diamant painting qui colle pas. Voilà. Et donc, celui-ci, il est au prix de 5,49 € également, comme les petits chats. On va passer au point de croix. J'en ai donc pris deux. On va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un point de croix qui mesure 61 cm sur 19 cm en 14 CT. C'est-à-dire qu'il se brode avec deux fils. Et j'ai trop aimé cette illustration. Je vais vous le sortir. Hop. Et le fil qui est coincé. Voilà, on va le mettre en dessous. Voilà. Alors, je vous montre l'image. Voilà. Ce sont des petites bonnes femmes qui font de la couture. Alors ici, on a un ciseau, une machine à coudre, puis divers éléments de couture. Là, on a des bobines. C'est vraiment trop trop marrant. Là, on a un pic-aiguille. Puis ici, je ne sais pas ce que c'est. Pareil, c'est un truc pour piquer les aiguilles aussi. Je pense que elles sont trop mignonnes. J'ai adoré. Voilà. Alors, on a ici le diagramme qui est divisé en trois parties. Alors, la première partie, c'est vraiment très très net. Hein. Pff, y a pas... Si on veut le refaire sur une autre toile, il n'y a pas de souci. C'est vraiment hyper net. Voilà la première partie. Ensuite, la deuxième partie avec la machine à coudre. Et la troisième partie avec les bobines de fil. Et puis là, ce sont des petits trucs pour piquer les aiguilles aussi. Puis les petites bonnes femmes, elles sont trop marrantes. Vraiment très beau. Voilà. Ensuite, on a donc les fils. Je vais vous montrer les fils tout de suite. Je vous montrerai la toile après. Alors, on a 27 couleurs. Très, très jolies couleurs. Voilà. Celle-ci. Hop.
sont vraiment belles les couleurs. Toujours les deux aiguilles. Dans ces kits-là, on a toujours deux aiguilles de fournis. Et enfin, la toile qui fait donc 61 cm sur 19 cm de haut. Trop jolie. Imprimé, on n'a qu'à suivre. On ne se prend pas la tête pour broder. Et on ne se trompe pas. C'est surtout ça. Là, je suis en train d'en faire un qui n'est pas estampé. Et, pff, des moments, je me trompe. Je dis, oh là là. Il suffit qu'on loupe un point quelque part. Ça y est. Que sur ce style de toile, eh ben, on n'a qu'à suivre. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Donc voilà pour cette toile. Je ne vais pas dire cette petite toile parce qu'elle est quand même assez grande. Qui est au prix de 7,57 €. Ça fait pas cher, hein, je le répète toujours, mais ce style de kit n'est vraiment pas cher par rapport aux fournitures. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà pour le premier. Et pour terminer, le dernier point de croix que j'ai choisi, c'est ce magnifique petit ours de Noël avec un candy cane. Il est trop marrant. Il y a toute une série d'ours comme ça. Il y en a un avec une salopette. Il y en a un autre avec une robe. Enfin, ils sont vraiment tous magnifiques. Mais celui-ci, c'était mon préféré. Donc, j'ai pris celui-ci en premier. Voilà, on va regarder ensemble. Alors, il fait 21 sur 21. C'est du 14 CT. Donc, ça se brode avec deux fils. Alors, on va regarder. Voilà à quoi il ressemble. Trop beau. Le diagramme qui est très très bien détaillé. On a pas mal de points arrière. Hein. D'ailleurs, je pense que tout est en points arrière sur le nœud, sur l'ours, enfin partout, sur le candy cane, enfin sur ses pattes. Partout, on a du point arrière. C'est quand même assez long à faire. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus long d'ailleurs quand on fait du point de croix, quand il faut faire les points arrière à la fin. Ça, c'est pas facile, mais bon, là on n'a aucun souci parce que c'est vraiment très très net, hein. Comme sur l'autre, ben ici on a les DMC, les numéros et puis les symboles. Voilà, on n'a qu'à suivre, hein. Là c'est les points arrière et sur celui-ci on a des demi-points. J'ai vu qu'il y avait des demi-points surtout au niveau des yeux et du nez. Ici on a du demi-point à faire. Voilà. Ensuite, le fil. On a 28 couleurs, ce qui n'est pas négligeable, hein, pour une petite toile comme ça, avec les deux aiguilles, comme d'habitude. Alors, de très jolies couleurs, du rouge, du noir, du beige, du marron. Vraiment très très belles couleurs. Et ici, on a pas mal de tons de couleurs vertes. Vraiment très très jolies. Voilà, pour les fils. Et enfin, la toile, la voici. Bon, là, on ne voit pas trop, hein, étant donné que les couleurs ne correspondent pas. C'est fait exprès pour ne pas se tromper. Le fond n'est pas brodé. Ça, c'est très, très bien aussi. Donc, vous voyez, ça fait 21 en tout. Mais le petit ours, par lui-même, il fait 16 cm sur 16 cm. Voilà, le reste ce sera le tour. Donc voilà pour cette petite toile qui est au prix de 4,73 €. Et bien voilà, cette petite vidéo unboxing du site DP Club est terminée. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers les articles que je viens de vous présenter. Voilà, on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt !